Daniel Gilbert a fait la une de France Dimanche, ce vendredi 22 janvier. Le magazine l'a dit ruiné, l'ancienne animatrice ferait face à de graves problèmes financiers qui l'empêcheraient même de manger à sa faim. Cette dernière a décidé de rétablir la vérité. Elle a pris la parole via son compte Facebook, ce vendredi 22 janvier, « Chers amis, heureusement qu'il y a la presse People. Ainsi, j'ai appris aujourd'hui que je suis dans la misère et que j'ai du mal à me nourrir », débute-t-elle avant de poursuivre, « Je vous rassure, je vais bien. Mais je trouve triste qu'on gaspille des pages de journaux pour raconter n'importe quoi. » Daniel Gilbert, si est-il indécent, alors que dans cette période très difficile, pour beaucoup de Français visiblement en colère, l'ex-animatrice ne mâche pas ses mots vis-à-vis du magazine, si est-il indécent, alors que dans cette période très difficile il y a de la vraie misère pécuniaire, morale, sanitaire pour beaucoup de Français. Une règle existe. Quand on veut écrire quelque chose sur quelqu'un, on s'adresse à la personne concernée. La Grande Duduche, comme l'a surnommé Jacques Martin, a signé son message par votre Daniel qui va bien et qui vous souhaite plein de moments de bonheur. Dans une interview à Gala, la septuagénaire est également revenue sur cet article de France Dimanche, « J'ai failli tomber par terre quand je suis allé au kiosque ce matin. » J'ai la vie d'une Française moyenne, j'ai un toit, j'ai à manger, y a aucun problème, a-t-elle assuré.